Lotte Reiniger est une cinéaste allemande née en 1899. Dans les années 1920, après plus de 3 ans de travail et plus de 300 000 prises de vue, elle réalise son premier chef-d'œuvre, Les Aventures du Prince Ahmed, qui est à ce jour le plus ancien long-métrage d'animation qui ait été conservé. En 2022, l'ensemble Diachronie a commandé au compositeur Julien Penaud une musique originale pour ce film. Le principal défi comme interprète est bien sûr de synchroniser l'image et la musique. Grâce à un écran indiquant les barres de mesure qui défilent devant moi, je peux au plus près de la partition synchroniser le flot de la musique avec l'action. J'aime beaucoup ce film parce que chacun de ces personnages ont une personnalité, malgré le fait que ce soit du papier découpé. On sent la personnalité, le caractère de chacun des personnages qui ont l'air vivants, bien que ce soit du papier. J'ai tout d'abord regardé le film et je me suis laissé aller à jouer, à improviser, à chercher des thèmes, des mélodies, des couleurs. Enfin, je me suis imprégné du film et peu à peu des thèmes sont venus, le thème principal, le thème du magicien, le thème de la sorcière, quelques thèmes très caractéristiques avec lesquels j'ai pu construire ensuite tout l'arrangement et puis toute l'orchestration et toute la musique.